Bonjour à tous, c'est Léopold, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars. Voilà, vous ne rêvez pas, je suis bien en train de parler dans une vidéo. Bon, plus sérieusement les gars, ça faisait vraiment super longtemps que j'avais plus fait ce genre de vidéo, bon entre guillemets les vraies vidéos, voilà tout simplement parce que j'étais en vacances. Donc voilà, je suis très content de pouvoir reprendre les vidéos comme ça où je parle et tout. Au passage, un énorme merci pour les 66 000 abonnés, franchement c'est un truc de malade. Moi je m'étais fixé l'objectif d'atteindre au moins peut-être les 20 000 ou 30 000 abonnés avant la fin des vacances, et là on a atteint les 60 000, c'est juste énorme. D'ailleurs, en parlant d'abonnés, j'ai regardé dans les stats et j'ai vu qu'il y en avait très peu qui étaient abonnés. Je crois qu'il y en a que 3% qui sont abonnés, qui regardent mes vidéos. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, voilà, go les 100 000, c'est, franchement ça serait un truc de malade si on pouvait les atteindre, je sais pas, dans un mois ou enfin pff. C'est juste énorme, rien que d'y penser, c'est juste énorme. Sans plus attendre, on va commencer avec le sujet de la vidéo. Comme vous avez pu le voir, il y a tout simplement un énorme secret. Alors, je ne sais pas du tout de quand il date. Ce secret, voilà, vous allez dans vos brawlers et vous allez cliquer sur arcade. Alors là, vous vous dites, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien de spécial. Eh bien, regardez, quand on appuie dessus, il y a tout simplement des lignes de code qui se mettent sur arcade. Bon, c'est de l'anglais. Il faut un peu zoomer pour arriver à voir. Enfin, même en zoomant, on ne voit pas très très bien. Donc voilà, en gros, c'est des lignes de code, comme pour faire genre que c'est des sur un ordinateur, quoi. Bon, de toute façon, arcade, c'est un peu en lien avec l'informatique, j'ai envie de dire. Quand vous réappuyez dessus, eh bien, regardez ce qui se passe. Il y a un set qui se met. Donc là, vous vous dites, bon, bah, pourquoi ça se met là? Voilà, bon, c'est bien, on clique dessus, les trucs s'affichent. Mais attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Quand vous réappuyez dessus, il y a un 6 qui se met. Bon, en gros, pour vous dire, c'est un compteur. Regardez, 5, 4, si je réappuie dessus, le 3, 2... Hein, et si vous réappuyez dessus, regardez ce qui va se passer. C'est juste incroyable. Voilà, vous réappuyez encore une fois dessus pour aller jusqu'au 0. Vous attendez, et regardez ce qui va se charger. C'est juste, franchement, c'est dingue. C'est dingue, voilà. Et là, il y a comme un programme qui se lance, comme sur un ordinateur, exactement pareil. Voilà, franchement, moi, je trouve ça dingue, c'est super bien fait et tout. Donc voilà, il y a un petit programme qui se lance, faut attendre encore une fois, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Ah non, c'est... Attendez. Là, on n'est même pas au début des surprises, là. Donc voilà, il y a des petites lignes de code qui se lancent. Il faut vraiment attendre. Alors, normalement, ça devrait se lancer. Et voilà, regardez, vous avez deux bandes noires qui s'affichent. Et regardez-moi ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Start game, voilà, vous ne rêvez pas. Il y a bien écrit « Commencer le jeu ». Voilà, il s'agit d'un mini-jeu, en fait, autour d'arcade. Je trouve ça juste incroyable. Je trouve ça juste incroyable, ce petit easter egg. Donc là, ça vous dit « Le voyage vers votre vrai soi ». Alors, j'ai pas trop, voilà. « Commence dans les confins de la galaxie ». Dans un espace appelé espace. Donc là, ça vous dit bienvenue dans le premier jeu de combat spatial piloté par la cabine d'arcade dans laquelle on va jouer. Et là, joueur 1, soyez prêt. Donc voilà, et là, ça vous dit qu'il faut naviguer dans les cosmos et exploser vos ennemis. Donc voilà, c'est tout simplement un mini-jeu qui est assez incroyable. Donc avec le gauche, vous pouvez vous déplacer la cabine spatiale d'arcade. Voilà, le but c'est vraiment d'éviter les météorites et même des vaisseaux ennemis, parce que vous allez voir qu'il y a des vaisseaux ennemis. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de score, donc on sait pas, il n'y a pas de record à battre, ou voilà, et je sais pas s'il y a une fin ou quoi à ce jeu, je sais pas du tout. Voilà, vous pouvez tirer sur les trucs, les étoiles, je sais pas trop ce que ça fait, je crois que ça récupère des vies, mais je suis pas sûr. Donc voilà, alors c'est très dur à manier le vaisseau, il faut vraiment, bah voilà, moi je vais mourir là, ok, bon bah je suis mort, voilà, je suis déjà mort, et tout simplement, bah on peut rejouer, voilà, try again. Donc voilà, un petit jeu caché, franchement c'est super sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce petit jeu. Franchement, moi j'adore. C'est super bien fait. Voilà, petit jeu caché en cliquant sur arcade. Et le bouton de droite qui sert à tirer des petits rayons laser. Mais par contre, ouais, c'est très dur à manier. C'est très très dur à manier. Je pense que une fois que vous serez sur le jeu, vous vous rendrez compte. Les étoiles, ouais, je sais pas du tout à quoi ça sert. Est-ce que ça sert à améliorer le canon? Parce que j'ai vu que le canon clignotait. Je sais pas du tout. Est-ce que je battrai pas mon record là? Oula. Ouais, là, il y a beaucoup trop de météorites là. Ouais, je suis mort. Je suis encore mort. Allez, try again. On va essayer quand même de se faire un peu plus de game. Ce serait bien que j'aille un peu plus loin. Mais ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas de score qui affiche notre record. Parce que franchement, ça serait bien hein, qu'un score et qu'on voit parmi tous les joueurs Brawl Stars par exemple qui fait le meilleur score. En tout cas, ouais, je pense qu'il faut un peu d'entraînement. Mais parce que franchement, c'est assez chaud. Hein. C'est assez chaud. C'est vrai que c'est pas super maniable. Allez, on va choper les étoiles. Je sais pas trop ce que ça fait cette étoile, mais bon. Voilà. Attention, météorite, purée. Franchement, c'est chaud. C'est chaud à esquiver. Ah, purée, je me suis pris une. Ok, là, c'est bon. Ok, oh là. Je crois que j'étais mort à cet endroit-là la dernière fois. Je pense que ça va être chaud. What, y'a rien? Ah, si.
Oula. Ah non, punaise. Bon, au moins, je suis allé beaucoup plus loin que d'habitude. Je suis content. Et là, il dit, le démon a encore gagné. Donc voilà. Franchement, les animations sont super. Regardez la hover, là, le R qui clignote. C'est super bien fait. Allez, on va encore se jouer une partie pour le plaisir. Voilà. Si vous avez marre de Brawl Stars, en fait, vous pouvez passer à ce mini-jeu. Voilà, super sympa. Et voilà, un petit mini-jeu caché, en fait. Voilà, je pense qu'on peut appeler ça un easter egg, hein, clairement. Donc voilà, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez, moi. J'avoue, je trouve ça super sympa, hein. Quand je l'ai découvert, j'ai vraiment pas cru, hein. Oula, j'ai déjà perdu un point de vie. D'ailleurs, ouais, je l'ai pas dit, mais les points de vie sont en haut à gauche. Je sais pas si vous avez remarqué. Voilà, petite étoile. Purée, je me suis encore pris une météorite. Voilà, en fait, voilà, vous naviguez vers l'espace, et le but, c'est d'esquiver la petite météorite et les vaisseaux ennemis. Purée, je suis encore mort. Je suis encore mort. Bon voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo, de ce petit easter egg, de ce petit secret, vous appelez ça comme vous voulez. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Moi franchement, j'adore. Je trouve ça super bien fait, rien que le fait qu'on clique sur arcade, qu'il y ait le petit compte à rebours et qu'après ça nous mène vers ce jeu. Je trouve ça juste incroyable. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres jeux, d'autres brawlers? Je sais pas, faudrait chercher, ça serait juste incroyable également. Oubliez pas le petit like, on se donne objectif de, allez, on va dire 4000 pouces bleus, je compte sur vous pour les 4000 pouces bleus. Si vous n'êtes pas abonné, je le répète, pensez à le faire. Le but, c'est qu'on réduise ce nombre de personnes, ce pourcentage de personnes non abonnées. Voilà, je compte sur vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Ciao !